Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo et je vais te présenter un produit vraiment ultra sympathique parce que si tu es comme moi, si tu as besoin vraiment d'un lecteur d'écran tout au long de ta journée, des synthèses vocales qui te parlent et si parfois certains produits te gavent justement parce qu'ils parlent, je vais te présenter un petit produit aujourd'hui qui est très sympathique. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésite pas donc à t'abonner à la chaîne du futur à la chaîne Vision High Tech et surtout pense bien à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et surtout donc si tu aimes les produits high tech à venir, je vais donc présenter dans les prochains jours cette paire d'écouteurs très sympathiques en Bluetooth ainsi que ce casque. Alors reste connecté sur la chaîne, abonne-toi, rejoins-nous, ça fait toujours plaisir, ça encourage et ça permet un meilleur référencement au niveau de la chaîne. Allez, maintenant je te présente le petit produit magique. C'est parti. Voilà donc le produit, c'est celui-ci. Vraiment un produit ultra sympa. Une balance connectée, cette balance entièrement compatible iOS Android, entièrement accessible avec son application. Bienvenue sur Vision High Tech. Voilà les amis, donc ce produit magique que je vais vous présenter aujourd'hui, entièrement compatible iOS Android, ce qui veut dire que ça sera complètement compatible VoiceOver Talkback avec ce tout nouveau Pèse Personne à indice de masse corporelle, IMC. Vous allez voir que plus personne n'entendra votre poids tel que le font ces Pèse Personne vocales qui vous disent lorsqu'il y a du monde, si vous pesez, votre poids est de 85 kilos et quelques. Alors ça, c'est fini. Aujourd'hui, vous mettez vos AirPods, vous mettez un casque, vous montez sur votre balance et vous aurez donc votre poids et vous allez savoir lorsque votre poids a été pris par un petit bruit bien significatif et ça, c'est plutôt cool. Alors, je vous présente ce produit de par son accessibilité au niveau de l'application et de par son prix, les copains, puisque moins de 25 euros. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description par rapport à ce Pèse Personne de la marque Homme Vert. On va tout de suite l'ouvrir, c'est parti. Alors, lorsque vous allez ouvrir ce petit carton, vous allez tomber sur différents prospectus. Que vous soyez sous Android ou sous iOS, l'application sera téléchargeable sur le Play Store ou sur l'App Store. On a tout de suite accès au Pèse Personne. On enlève les deux petits polystyrènes et on a tout de suite accès à ce magnifique Pèse Personne en verre, très léger. Il est vraiment très fin. Dessous, vous allez donc trouver le fameux code QR pour justement aller télécharger les applications. Et juste à sa droite, vous aurez donc un petit plastique enlevé puisque cette balance fonctionne avec une pile triple A qui est fournie directement dans la balance. Alors côté design, cette balance est ultra belle. On est donc sur un verre noir avec de chaque côté, à gauche comme à droite, là où vous allez poser vos pieds, les petites plaques en fer qui vont envoyer un courant électrique dans vos pieds pour pouvoir en fait vous peser et pour pouvoir calculer votre indice de masse corporelle. Et cette balance, vous allez pouvoir la partager avec toute la famille. Donc cette balance sera accessible à tous, que ce soit une personne déficiente visuelle ou pas, tout le monde pourra profiter de son indice de masse corporelle, de son poids en toute accessibilité avec cette balance. Alors juste dessous, on va retrouver donc 4 pieds anti-dérapants. Donc cette balance Homme Vert est une balance donc à impédance biométrique. Pour l'utiliser, il faudra donc télécharger l'application adéquate sur iOS et sur Android, créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe et vous aurez donc différents champs à renseigner. Si vous êtes un homme, une femme, votre poids, votre taille, et vous pourrez même partager vos informations avec l'application santé d'Apple ou l'application santé de Google. On le fait tout de suite, c'est parti. Donc pour cela, on retourne notre balance et on va tout de suite numériser le code QR juste dessous. C'est parti. Vous lancez votre appareil photo, que ce soit sur iOS ou Android, et vous positionnez votre appareil photo juste au-dessus de l'étiquette. Écoutez ce qui se passe. Code QR scanné. Code QR scanné.
On va le lancer. Page web, appuyez ici pour accéder à... Progression. Page web, Chrome. FIDE, Steffi Holidays, 0%, barre de progression. Information sur application, FIDE, Play Store, remontée d'un niveau. On vous propose de télécharger l'application FIDEY, F-I-T-D-A-Y-S, que l'on va faire tout de suite. FIDE, installer, bouton. On va donc l'installer à partir d'Android. Comme vous pouvez voir, sous iOS, c'est aussi accessible via votre iPhone. FIDE, connecté. J'ouvre l'application. Une fois que vous avez lancé l'application, votre balance connectée va se connecter en Bluetooth à votre smartphone. Que ce soit sur Android ou iOS, il n'y a aucune difficulté apparente. Alors, l'application a été téléchargée sous Android, on va l'ouvrir. Et en même temps que je l'ouvre, je vous ouvre le petit fold. Alors voilà à quoi ressemble l'application. Voilà donc, une fois que tu as créé ton compte, tu fais se connecter. Se connecter, bouton 87.6 KG. Une fois que tu es connecté, voici donc l'application sous iOS cette fois-ci. Alors avant de monter sur la balance, on va poser simplement un pied. La balance donc va se mettre en marche. Et là tout simplement, tu montes sur la balance. Et regardez ce qui se passe, écoutez. C'est vraiment ultra sympa. Mon iPhone vient de me prévenir que mon poids était pris. 87.3 kg, terminé. Donc je fais 87.3 kg, tout le monde le sait. Maintenant je ne peux plus me cacher les amis, hein. Je suis gros. Mais on s'en fout. 13, 24, 25, /09, /2021. Objectif 75.0 kg. On a donc la date du jour. En bas de l'application, vous avez trois onglets. L'onglet mesurer. Graphique, onglet. L'onglet graphique. Et l'onglet compte. Ajouter un nouvel paramètre. On a donc les possibilités de régler les paramètres. On va dedans. Change, mesurer le son. Bouton, mon dispositif. Flèche vers la droite. Pin. Flèche vers la droite. Réglage de la compatibilité avec l'application santé d'Apple. Flèche vers la droite. On peut donc partager les données de notre poids avec l'application Apple. Fibi. Flèche vers la droite. Langue. Langage. Flèche vers la droite. Bouton. Langue. Français frais. Bac. Langue. Langage. Bouton. English. Tiens. Italiano, Ukraina, Tingvi, Polski, Espagnol, Deutsch, Je, Français, Fren, Pasatai, Portugais, Arabique, P majuscule, Mango, Mongolia. Côté langue, c'est quand même plutôt bien fourni. Une fois que vous avez créé votre compte et votre mot de passe, se connecter, bouton. On va faire se connecter. Alors, une fois que tu as créé ton compte avec ton adresse mail et ton mot de passe, tu as différents champs à renseigner. Appuyez deux fois homme femme. Ou femme. Homme. On va choisir homme. Nom d'utilisateur. 52 958. Zone de modification. Nom d'utilisateur. Azerty Christophe. Zone de modification. Christophe. Zone de modification. 1er janvier. Taille. 1er janvier 1995. On va mettre la date de naissance. Taille. La taille. 1er janvier. Taille. 170 cm. 1er janvier. Taille. 170 cm. Objectif de poids. 63.6 kg. Voilà. Mot d'athlète. Nom coché, bouton. Les informations personnelles ne sont évaluées qu'à des fins purement informées. Confirmé, bouton. Et on confirme. Autorisez l'appli FIDE à accéder à la position de cet appareil lorsque vous utilisez l'application, bouton. On vous demande donc les autorisations nécessaires pour accéder. Uniquement cette fois-ci, refusez, bouton unique lorsque vous utilisez l'application. FIDE 01. Activez Bluetooth. Bien, deux fois pour bien pensez à activer le Bluetooth de votre appareil. Placez la balance sur une surface. Tenez-vous pieds nus sur la balance et commencez à mesurer. Commencez à mesurer. Et on a un bouton tout en bas. Commencez à mesurer. Commencez à mesurer. FIDE, débranché, Christophe. Allez, on regarde comment ça se passe sur Android. C'est parti. L'application s'est connectée à la balance. On monte sur la balance. Terminé. On a une vibration et une petite clochette qui nous dit que c'est terminé. 87.3. On voit bien que je fais 87.3 kg. Kilogramme. 13h53, 25 septembre 2021. On a donc l'heure et la date à laquelle on s'est pesé. Objectif, 63.6 kg. Poids, IMC, graisse corporelle, plus de données. Détails, sans libellé, bouton. On a donc les détails de l'IMC.
Détail. Poids 87,3 kg dans la liste. IMC 30,2. J'ai un IMC de 30,2. Graisse corporelle 30,3%. Graisse corporelle 30,3%. Poisson graisse 60,8 kg. Graisse sous-cutanée 20,0%. Graisse viscérale 11,4%. Eau corporelle 48,0%. Muscle squelettique pourcent 47,9%. Affichage masse musculaire 57,0 kg. Affichage des articles masse osseuse 3,1 kg. Alors comme vous pouvez entendre, c'est ultra bien détaillé. Protéines 18,0%. Taux métabolique basal 1767 kcal. H corporel 30. Tous les indicateurs sont obtenus en mesurant la biorésistance du corps humain à travers l'équipement, échelle de graisse, et en combinant la composition du corps humain. Ce produit n'est pas un dispositif médical, les données de mesure et les résultats sont à titre indicatif uniquement, et non comme base médicale. Voilà, donc comme vous avez pu voir, les résultats sont vraiment très pointueux, et c'est vraiment le top. En bas, c'est pareil, on a trois onglets. Graphique. On aura accès pour les personnes voyantes à des graphiques. Graisse sous-cutanée pourcent, 20,0. Compte. On peut aller donc sur le compte. Bouton ajouter un nouvel utilisateur. On peut donc ajouter un nouvel utilisateur à partir du compte. Voilà donc les amis pour cette magnifique balance pèse personne IMC. Pour moins de 25 euros, vous avez un produit totalement accessible avec les différentes applications iOS et Android. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Vision Hightech. Et je vous dis donc un très grand merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo accessible à tous. Bien sûr, portez-vous bien. Salut à tous.